arrête de se faire enfler maintenant, hein. C'est à quel sujet? Aminata Ndiaye, assistante sociale et juridique. Appelez-moi maître. Et Yé, merci d'être venu ici à Salanches pour présenter ce film. D'abord, c'est un très beau film. Et en plus, c'est vrai que c'est rempli d'émotions. Mais vous, personnellement, vous êtes comme ça dans la vie? Il y a un peu de moi, c'est sûr. C'est sûr que je mets beaucoup de moi dans les personnages, mais après, ça reste des personnages de cinéma, ça reste des personnages de composition. Il y a des choses dont j'envie à Angèle, que j'aime regarder, et puis des choses où je pense que j'aurais pas le culot, pas le toupet d'agir comme elle, mais elle me plaît, cette femme, en tout cas. T'es une filoute, toi? Ah, c'est pas mal, ça. Le théâtre m'a beaucoup aidé, mais sinon, moi, j'ai rien foutu sur le tournage. C'est-à-dire? Ben oui, bien sûr. Non, je m'imprègne beaucoup de ce qu'on se raconte, des lectures qu'on a faites avant le tournage, et puis après, j'essaye de faire confiance. Tu m'as acheté un pain au chocolat? Pardon? Bienvenue au squat. Dites-moi, ici, ça se mélange pas trop, on dirait. Hein. Et nounou, c'est comme le foot, chacun son plat. Tout le travail, c'est en amont. C'est avec les costumes, c'est avec le texte qu'on revoit, c'est avec la connaissance des autres comédiens. Tout le travail, ouais, ça se fait à ce moment-là. Quoi. Voilà, tu me chopes par le haut. On tourne autour. Arrête, Gauchy. Tu le niques et tu me mets ce grand bâtard par terre. Vous aviez des super partenaires, mais il y avait quand même un enfant, Arthur. Ouais. Mais c'est magique ce qui s'est passé. Il était magique. C'est un enfant qui est super, Arthur. C'est un Vidal, c'est un comédien déjà. C'est un comédien à son âge. Il avait 10 ans quand on a commencé à tourner. Et puis il est super intéressant, quoi. Il est très curieux. C'est un phénomène, quoi. C'est quelqu'un qu'on n'a pas fini de voir. Il y a un problème? Quoi, j'aimerais bien que tu t'occupes de la situation. Et croyez-moi, je vais tout faire pour vous aider. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Quand on voit un film comme celui-ci, je pense que vous allez voir les squares d'une manière différente. Oui, les squares, bah ouais, effectivement, quand je passe devant les squares, il y a une vie, mais j'avais déjà eu un petit aperçu avant. Mais là, effectivement, c'est clair que quand je passe devant un square, je m'arrête et je pose le regard autrement. Merci. Bravo, c'était génial. Génial. Super, super.